parti. À vous, mesdames, à vous, messieurs, à vous, chers invités qui nous avez rejoints ce soir pour la présentation de cette étude immobilière consacrée au marché neuchâtelois. Bonsoir, bienvenue. On est très heureux de passer ces quelques moments avec vous pour parler d'un sujet évidemment qui nous réunit tous ce soir, le sujet de l'immobilier. C'est déjà la troisième année consécutive que j'ai la chance de pouvoir introduire la présentation de cette étude immobilière qui est consacrée à notre marché. Le principe est toujours un petit peu le même. C'est une étude immobilière que la Banque cantonale réalise avec le concours du cabinet Wüst Partner AG. C'est une étude immobilière qui a surtout cette particularité d'être orientée, d'être focalisée sur notre marché neuchâtelois. Et cette envie ou ce besoin de faire une étude spécifiquement neuchâteloise, eh bien, on a commencé à la ressentir chez nous il y a quelques années en constatant que de plus en plus les données sur le marché immobilier existent. On a de plus en plus souvent l'occasion d'entendre parler d'immobilier en général. Il y a beaucoup de transparence qui a été amenée dans ces questions immobilières depuis les 20 dernières années. Mais on avait toujours un peu le souci à Neuchâtel de se poser la question si ce qui est vrai ailleurs en Suisse ou ce qui est vrai pour le marché suisse en général, ce qui est vrai pour la région zurichoise ou la région lémanique en particulier, qui est peut-être plus médiatisée, est également vrai pour notre marché neuchâtelois. Et notre perspective à nous, c'est de dire d'abord, nous, ce qui nous intéresse, on est actif ici, on a besoin de données de marché pour la situation précisément qui est la nôtre. Mais surtout, on fait le constat que l'immobilier, c'est un domaine qui est particulier, qui est vaste. Et puis même dans un tout petit canton comme Neuchâtel, 800 km², un peu moins de 180 000 habitants, eh bien, on constate à notre niveau des disparités régionales qui peuvent être assez importantes. Et donc, ça, pour nous, ça révèle la nécessité de pouvoir justement compter sur des données de marché, sur des informations de marché qui soient pertinentes, qui soient solides, sur lesquelles on peut appuyer nos décisions. Et comme acteur hypothécaire important, vous le savez sans doute, la Banque cantonale neuchâteloise est le principal acteur hypothécaire sur le canton. Eh bien, on s'est aussi senti la responsabilité non seulement de contribuer à ce que ce marché immobilier se développe de manière harmonieuse et reste en bonne santé, mais aussi la responsabilité de fournir à ces acteurs des données qui soient pertinentes pour leurs propres décisions, pour leurs propres projets, puisque dans ces domaines-là, on est évidemment tous partenaires. Cette année, le format est un tout petit peu différent. D'abord, on a le plaisir d'être accueillis dans le cadre du Salon de l'immobilier de Neuchâtel. Et le Salon de l'immobilier a pris une place très importante. C'est une façon de se focaliser sur ces questions immobilières pendant une semaine. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer son président, Frédéric Pont, qui est ici au bout du couloir. Donc la grande chance de pouvoir s'inscrire en fait dans cette actualité immobilière avec la présentation de cette étude. Et puis aussi une toute petite particularité, on est retransmis en vidéo et en télévision, alors à la fois sur le web et à la fois un petit peu moins en audiovision, mais à quelques dizaines de mètres d'ici, sur la place du village. Donc j'en profite pour également saluer toutes les personnes qui nous font le plaisir d'assister à cette présentation avec cette retransmission télévisée. Pour le programme de ce soir, sans surprise, je vous détaille donc de quelle manière on va présenter les choses. D'abord, une première partie qui va s'intéresser précisément au contenu de l'étude. Donc, on va s'intéresser aux données de marché. Et là, on va commenter en fait ce que vous allez trouver dans la brochure qu'on a éditée à l'occasion de cette étude sur le marché immobilier. On va mettre en perspective, on va expliquer, on va apporter des compléments. On va finalement aussi démontrer ou montrer pourquoi on s'intéresse à ces questions-là, pourquoi on approche le marché avec ces angles-là et ce que ça peut nous apprendre des forces qui sont à l'œuvre en ce moment sur ces questions immobilières. Et puis on aime bien, en deuxième partie, vous amener une perspective un petit peu différente. C'est la perspective plutôt peut-être pas vraiment du terrain, parce que l'étude elle-même, elle se base aussi sur des constats de terrain, mais c'est la perspective du praticien, en tout cas, du bailleur de fonds, de celui qui quotidiennement est en contact avec des acheteurs, avec des vendeurs, avec des promoteurs, avec des notaires, enfin avec tout le microcosme qui tourne autour des questions immobilières. C'est un peu ces données qu'on va chercher dans notre réseau et puis qu'on souhaite mettre à votre disposition et finalement, on n'a pas tellement d'autres bonnes occasions de le faire.
Et donc ce soir, c'est une très bonne occasion justement pour vous amener ce regard de praticien qui n'est pas en opposition avec des résultats d'études, mais plutôt en complément, qui va chercher à vous dire en quoi ce qu'on sent sur le marché s'aligne parfaitement, en quoi on peut peut-être un petit peu nuancer le propos. Et puis surtout, c'est des constats qui peuvent dater de cet après-midi, puisque on est dans cette semaine immobilière, on a des discussions encore aujourd'hui, et puis on est dans une forme d'actualité sur ce sujet-là. Et puis, à côté de ces données de marché, à côté de ces constats de praticiens, on voulait aussi vous offrir autre chose, une autre perspective, parce que les données de marché, c'est bien, c'est très financier, c'est très déterminé, puis on est un petit peu dans le présent, et puis dans des considérations très concrètes, très objectives et savantes. Et on voulait lever un peu la tête du guidon aussi ce soir, et puis apporter une autre dimension dans le propos qu'on souhaitait vous adresser. Et c'est la raison pour laquelle on a dans l'étude immobilière une partie du document qui est consacrée au sujet des tours. Et ce sujet des tours, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'on a une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, une loi qui est en phase de mise en œuvre, une mise en œuvre qui se déroule bien à Neuchâtel. Je crois qu'on est plutôt en avance. Là, je me tourne vers Laurent Favre qui acquiesce. Donc, je parle sous son contrôle, mais apparemment, je ne suis pas totalement à côté de la réalité. On a tous compris qu'un des enjeux majeurs de cette loi sur l'aménagement du territoire, c'est la question de la densification. Et puis là aussi, je pense qu'on a tous à peu près à l'esprit ce que ça peut vouloir dire. Hein. C'est un peu plus d'habitants au kilomètre carré dans les zones où on construit, et puis de préserver en fait le sol et de préserver cette ressource qui est finie, qui est rare, qui est le sol. Par contre, peut-être on n'est encore pas tout à fait rentré dans les bonnes dimensions, c'est quand on essaie d'imaginer ce que sera l'habitat demain, de quelle manière en fait ces réglementations qu'on met en place aujourd'hui pour les générations qui vont nous succéder, de quelle manière est-ce qu'elles vont influencer la sociologie de l'habitat, la façon dont on peut envisager la propriété, l'habitat, enfin toutes ces questions qui sont évidemment d'un autre niveau, mais qui nous donnent aussi une perspective qui est extrêmement large et extrêmement intéressante. Et là, de voir aussi, pour notre petit territoire neuchâtelois, quels sont les développements possibles, vers quoi, probablement, on va majoritairement s'acheminer au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies. Le programme étant dévoilé, il me reste à vous parler ou à vous présenter les orateurs qui vont se succéder sur cette scène. Tout d'abord, les données de marché, l'étude immobilière à proprement parler, c'est Hervé Froidevaux qui va vous la présenter. Hervé Froidevaux est associé du cabinet Wüstpartner AG. Il est aussi le directeur pour la Suisse romande, et puis en plus, qualité rare mais noble, il est neuchâtelois, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Hervé donc, va nous présenter l'étude immobilière. Pedro Palomo, lui, va vous parler des constats de marché. Donc Pedro est notre responsable à la BCN d'un secteur très important qui est le secteur marché. Et chez nous, marché, ça veut dire l'ensemble des relations avec la clientèle, donc la clientèle privée, la clientèle entreprise, la clientèle private banking également. Mais Pedro est aussi un des acteurs et un des observateurs de ce secteur de la construction, de l'immobilier, ceci depuis plus de 25 ans, je pense. Donc c'est aussi un observateur averti de toutes ces questions immobilières. C'est lui qui vous amènera ces constats de terrain, si je puis dire, les nouvelles du front d'une certaine manière. Et le troisième sujet que j'ai évoqué, c'est Guy Nicollier qui va s'en charger. Donc Guy Nicollier, qu'on remercie de s'être mis à disposition. Guy Nicollier est architecte EPFL. Il est cofondateur, l'un des trois cofondateurs de Pont 12 Architectes à Lausanne. C'est un grand bureau d'architecture qui s'occupe aujourd'hui de projets très importants, notamment sur l'arc lémanique. Guy Nicollier a participé d'ailleurs à l'élaboration de l'étude immobilière dans sa partie justement consacrée aux tours. Et puis, il a très gentiment accepté de partager avec nous sa vision, ses expériences, et notamment nous parler aussi probablement d'un projet dont il a été un des acteurs, qui est malheureusement resté à l'état de projet. C'est la fameuse tour Tawa à Lausanne, dont on a beaucoup parlé en Suisse romande. Voilà. Peut-être vous dire encore que vous aurez la possibilité de poser des questions à nos orateurs, bien sûr. L'idée, c'est plutôt de vous permettre de le faire après les présentations, de telle manière à ce qu'on ne vienne pas sur des sujets qui seraient éventuellement traités ultérieurement. Donc, je vous propose de garder vos questions pour la fin, mais des questions, vous aurez l'occasion d'en poser, bien entendu. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de voir avec Hervé Froidevaux, finalement, cette année 2018, où elle nous a amenés en termes de marché immobilier à Neuchâtel. Hervé, je te cède la parole.
Merci beaucoup Pierre-Alain. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est vrai que c'est la troisième fois qu'on présente cette étude immobilière. Moi, ça me fait toujours particulièrement plaisir parce que c'est à Neuchâtel. Apparemment, c'est une qualité rare. Bon, je suis ravi. Donc, c'est toujours très, très bien pour moi de pouvoir faire cette présentation ici, un peu chez moi aussi. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un exposé de Madame Fasnacht, qui est une spécialiste du wingsuit. On ne va pas vous parler de chute libre aujourd'hui sur les indicateurs du marché immobilier. Il n'y a pas de chute libre des prix. Mais il y a quelques turbulences, comme vous le savez, comme vous le ressentez peut-être dans vos activités de tous les jours. Il y a des segments qui se portent mieux que d'autres, notamment en termes de vacants. Donc on va essayer d'aborder les différents segments de ce marché immobilier dans cette présentation. On attend encore les slides. Voilà, il était en mode pause. Alors, on va aborder cette présentation sous quatre angles. Le premier, c'est celui de l'évolution des marchés en Suisse. Donc, on va vous donner un bref aperçu de l'évolution des différents segments et puis de vous montrer surtout l'évolution des vacants, pas seulement à Neuchâtel, mais que vous ayez le contexte un peu plus large. Et puis après, on va positionner Neuchâtel dans ce contexte plus large. Après, on va parler de Neuchâtel, les indicateurs fondamentaux du marché qui influencent le marché neuchâtelois, avec quelques éléments un peu particuliers, vous le verrez. Et puis, on va rentrer dans les différents segments du marché, la PPE, la villa, le locatif, et puis très brièvement également le segment commercial. Puis, on va terminer avec les perspectives pour vous montrer quelles sont les évolutions que nous attendons probablement pendant ces prochains 12 mois. Alors, évolution des marchés suisses. Ici, vous avez une série d'indicateurs qui montrent ce qui s'est passé ces 10 dernières années sur les fondamentaux du marché. Donc, c'est l'économie réelle, le PIB, les exportations, la consommation. C'est des éléments quantitatifs, hein, c'est les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché, la population, les nouveaux emplois qui créent des surfaces, et puis des éléments monétaires, l'inflation, les intérêts qui sont évidemment le nerf de la guerre sur le marché immobilier. Ici, vous avez les indicateurs à 10 ans, c'est la moyenne à 10 ans. Et puis, on a regardé pour 2019 à quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre sur les différents indicateurs. Donc, s'ils sont en dessous de la ligne que vous voyez ici, ça veut dire qu'on a une baisse. S'ils sont en dessus, ça veut dire qu'on a une hausse. S'ils sont rouges, ça va péjorer la situation sur le marché. S'ils sont bleus, ça va l'augmenter. L'économie réelle, vous voyez qu'on a par rapport à ces 10 dernières années un PIB qui est toujours positif. Il est un peu moins solide. Les dernières annonces du SECO tablent sur 1,1%. Donc c'est une croissance, mais c'est une croissance qui est légèrement moins importante que ces dernières années. Au niveau des exportations, c'est relativement positif. Ça vaut aussi pour le canton de Neuchâtel, qui est un canton particulièrement exportateur. Ici, on a une situation qui est bonne, d'où la couleur bleue. La consommation est toujours relativement bonne, hein, 1,1% de croissance, mais un peu en retrait par rapport aux 10 dernières années. Et puis, alors, l'élément assez important, finalement, pour le logement, c'est l'évolution de la population. Ici, c'est l'évolution suisse. Vous le savez, sur Neuchâtel, c'est un peu différent. Mais on a une baisse assez généralisée de la croissance de la population sur le territoire suisse. Ça vaut également pour l'emploi, même s'il reste relativement solide, en tout cas, si les perspectives restent solides pour 2019. Et puis, on a ces facteurs qui sont absolument essentiels encore aujourd'hui et qui soutiennent très fortement la construction, mais aussi l'investissement immobilier. C'est les taux d'intérêt, d'une manière générale, et puis les taux hypothécaires, évidemment, plus particulièrement pour le marché immobilier. Ces taux sont encore extrêmement bas. On ne s'attend pas à avoir une augmentation des taux. Et ça, évidemment, c'est déterminant pour ce qui se passe aujourd'hui sur les différents marchés. On va le voir. L'appétit des investisseurs, hein, ou des développeurs sur le marché, on le sent ici, notamment sur le segment de la location. Ici, ce sont des logements qui sont autorisés à la construction. Les trois segments, locatif, PP, maison individuelle. Et puis, on voit très bien ici cette évolution assez forte sur le locatif par rapport à la PP qui est stabilisée et par rapport aux maisons individuelles qui ont tendance
à être moins nombreuses les nouvelles constructions. Donc on construit aujourd'hui beaucoup de locatifs et on construit beaucoup dans les agglomérations, mais également dans les villes de taille moyenne. On en a deux ici sur le canton de Neuchâtel. Nous avons regardé quelle était la situation en termes de pénurie ou de suroffre sur le marché suisse. Alors ici, vous voyez l'évolution des vacants. Donc, c'est le nombre de logements vacants sur le marché suisse. On est à 72 000 logements vacants. Et vous voyez qu'on a atteint le niveau des années 90. Donc, c'est un niveau qui est quand même relativement élevé sur l'ensemble du marché suisse. Si on ajoute à ces logements vacants les logements qui sont nouvellement construits, les nouvelles constructions, c'est 50 000 logements en plus. Et ça, c'est évidemment une construction relativement forte dans le contexte de taux très bas. On a donc une construction qui nous mène vers des chiffres, on le voit, qui sont élevés en perspective historique, plus élevés que ceux des années 90. Alors ça, finalement, c'est l'offre. C'est les vacants, donc les logements vides, et puis c'est les logements nouvellement construits pendant une année. Et puis, finalement, la question est de savoir mais quel est le nombre de logements qui est nécessaire pour qu'un marché fonctionne. Parce qu'on a besoin d'avoir une certaine rotation, on a besoin d'avoir des logements vacants pour pouvoir satisfaire la demande de logements. Et nous l'estimons, selon différents modèles, nous l'estimons à 1,3% ce taux de vacants qui est finalement nécessaire au marché pour qu'il fonctionne. Donc, pour satisfaire la demande, pour avoir quand même des mouvements de locataires, pour pouvoir rénover, pour pouvoir transformer des immeubles, on a besoin d'avoir un certain nombre de logements vacants. Donc si on enlève ces 1,3%, on obtient finalement les logements supplémentaires ou excédentaires. Et puis ce qu'on a voulu savoir, c'est quelle était la croissance de la demande. Donc la demande supplémentaire, les nouveaux ménages supplémentaires. C'est la ligne bleue. Et puis finalement, comparer ces deux courbes nous permet de dire quelles sont les périodes où on a un excédent et quelles sont les périodes où on est en manque de logement, en pénurie de logement. Et on voit assez bien ici, alors on peut réduire ça sur l'axe avec une origine à zéro, on voit très bien la situation ici dans les années 90 avec un excédent de logement suite à une construction relativement forte. Et puis toute cette période de pénurie ici jusqu'il y a 2 ans et puis maintenant 2018 et selon les chiffres provisoires 2019, un nombre de logements relativement important. Donc sur l'ensemble du marché suisse, on a environ 40 000 logements excédentaires aujourd'hui à disposition. Donc on est dans une situation où le locataire a davantage de choix. Pour le propriétaire, ça devient un peu plus compliqué. Alors évidemment, on a regardé quelle était la situation pour Neuchâtel. On a changé l'échelle, vous voyez ici, donc on n'est plus dans ces 50 000 logements, mais on est en dessous. On a fait le même exercice avec les mêmes indicateurs, et puis on voit ici de nouveau la situation dans les années 90, qui a mis relativement longtemps pour se résorber. Une situation où on était plus ou moins à l'équilibre pendant certaines années, ensuite une situation de pénurie jusqu'en 2015, et puis depuis les excédents de logements qui se sont accumulés. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 1 500 logements excédentaires sur le marché neuchâtelois. Alors, si on écarte un peu la perspective et on fait l'exercice pour toutes les régions, on voit qu'on n'est pas seul dans cette situation. On voit qu'il y a passablement ici de régions qui sont dans le bleu, dans le gris, donc des régions excédentaires en termes de logements. Il y a encore quelques régions qui sont dans le rouge, ville de Zurich, Genève, Lausanne, rouge clair, et puis certaines régions ici dans l'entre-deux. Et puis on a des régions très bleues en Suisse romande, notamment sur le Valais, où on a un excédent de logement qui est relativement important. Et puis si on zoome ici sur la région qui nous intéresse, on voit qu'on a une situation qui est finalement relativement calme sur le Val de Travers. On a un petit excédent ou un certain excédent sur Neuchâtel et puis on a un excédent qui devient relativement important sur le haut du canton, le Locle et la Chaux-de-Fonds notamment. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'évolution des prix en Suisse d'une manière générale? Pour le logement locatif, vous voyez que déjà depuis 2014, les loyers baissent.
Ils vont continuer à baisser. On s'attend pour le reste de cette année à avoir une baisse encore de presque 2% sur le marché suisse au niveau du locatif pour les raisons que j'ai évoquées. Et puis, pour la propriété, on a une situation qui est différente. Ici, on voit l'évolution pour la PPE. On a eu une certaine correction des prix également. Et puis, on a une stabilisation aujourd'hui parce qu'on construit beaucoup de locatifs, mais pas tellement de PPE, finalement. Donc, les prix vont se stabiliser. Et puis, pour la maison individuelle, on a cette croissance encore qui est légère, mais une croissance qui est due à des taux d'intérêt toujours très, très bas. Et puis, une construction qui est encore assez marginale aujourd'hui, qui a baissé déjà depuis de nombreuses années. On voit pour les surfaces ici de bureaux, la baisse qu'on a eue déjà depuis un certain temps sur les loyers dans toute la Suisse. Et puis ici, on a une stabilisation. Alors, ce n'est pas une stabilisation neuchâteloise, c'est une stabilisation qui est plutôt due aux grandes agglomérations. Les loyers ont beaucoup baissé à Zurich, ils ont beaucoup baissé à Genève de manière assez massive. Et aujourd'hui, on sent qu'on a probablement atteint le bas de l'évolution, le plancher, et ces loyers se stabilisent. Vous verrez que la situation à Neuchâtel est un peu en décalage par rapport à cette évolution. Et puis, les surfaces de vente, on a toujours une situation assez tendue avec le commerce en ligne qui est très important, qui prend des parts de marché, les chiffres d'affaires qui baissent et les loyers qui ont tendance à baisser. Donc, voilà pour l'évolution des prix. Et puis maintenant, la question qui se pose, c'est on a des vacants qui ont tendance à augmenter, on a des loyers qui baissent d'une manière générale, et puis malgré tout, on a encore des valeurs qui sont assez stables chez les propriétaires. On a des valorisations et des prix de transactions aujourd'hui sur le marché qui sont assez stables. Et la raison, c'est celle qu'on voit ici, finalement, c'est l'attente de rendement des investisseurs. Elle est toujours très, très basse. Vous voyez ici les derniers chiffres pour 2018. Donc, on voit, c'est une fourchette donc, de rendements bruts initiaux, rendement brut donc avant charge. Et puis, on voit qu'on a un rendement brut de 4%. Si on enlève 1%, 1,1, 1,2, vous pouvez vous imaginer ce que ça fait en net. C'est 3% ou même un peu moins. Donc, on a des rendements médians nets de 3% au moins. Sur Zurich, les meilleurs immeubles, sur Genève également, c'est 2% net. Et puis, vous voyez cette fourchette qui s'est restreinte, c'est-à-dire qu'on ne paye pas forcément de primes pour une mauvaise situation ou pour un mauvais immeuble. Les immeubles commerciaux, et ça, c'est quand même assez surprenant dans ce marché qui a passablement corrigé ces derniers temps, on est aussi avec un médian à 4% brut. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que la fourchette, elle est beaucoup plus grande. Si elle va de 3 à 5% sur le résidentiel, ici, on va jusqu'à 6,5%. Sur du commercial, avec une fourchette donc beaucoup plus grande. Les moins bonnes situations sont fortement pénalisées aujourd'hui sur le marché en termes de valorisation. Et puis le mixte, on est un peu dans une situation intermédiaire. Alors évidemment, la raison pour ce comportement ou cet investissement important sur le marché suisse, c'est celle-ci, c'est la comparaison avec d'autres placements, avec d'autres classes d'actifs. Ici, si on compare cet objet prime, donc vraiment le meilleur objet résidentiel à la meilleure situation, on est pratiquement à 2% aujourd'hui. C'est la courbe rouge. Et les obligations, ici, obligations d'État à 10 ans, proposent un rendement nul ou même négatif. Donc on a un écart qui reste important. Si on le remet ici sur l'axe, on voit qu'on a un écart qui est un peu moins important qu'il était en 2015, au moment de l'intervention de la BNS sur les marchés, mais qu'il est toujours assez confortable dans une perspective historique. Donc cet arbitrage des investisseurs fait qu'ils continuent à investir de manière massive sur les marchés, et ils continuent d'ailleurs aussi à s'intéresser au marché neuchâtelois, encore aujourd'hui, dans la situation actuelle des vacants, des loyers, etc. Alors, le contexte neuchâtelois particulier, avec 6 régions, on les a regardées dans le détail, donc vous les voyez ici, on a fait un découpage qui était le plus proche possible de la réalité du marché, donc 6 régions que nous avons analysées. Et puis, la particularité de Neuchâtel,
c'est que depuis l'année dernière, on a une croissance de la population qui, sur l'ensemble du canton, était négative. On a une région, le Val-de-Ruz, qui est encore dans le positif, 0,3%. Entre deux lacs, stable. Et puis même le littoral a perdu des habitants l'année dernière. Donc on a une évolution qui est négative de la population sur le territoire neuchâtelois. Ça a évidemment un impact sur le marché et sur les vacants. Alors ici, on voit une comparaison avec d'autres cantons. On voit la situation à Neuchâtel, moins 0,45%. Par rapport au 0,36%, c'est la moyenne à 10 ans. Donc ici, on a vraiment changé de signe l'année dernière. Et puis, par rapport à des cantons comme Berne, le canton de Vaud ou la Suisse, vous voyez ici les différences. C'est intéressant quand même de voir Vaud, par exemple. La croissance est beaucoup moins forte. Donc cette tendance à avoir moins de migration, moins de personnes qui s'installent, elle est assez générale sur le territoire suisse. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Vous voyez que pour les villas, on a eu pratiquement une stabilisation des prix, une légère hausse encore. Pour les PPE, si on corrige de la qualité les objets qu'on voit sur le marché, on a encore eu une hausse. Alors c'est évidemment aux taux qui sont très bas. Et puis justement à ces évolutions qualitatives, si vous prenez les objets tels qu'ils sont, vous observerez, vous, probablement une baisse au niveau des prix. Parce qu'on a beaucoup d'objets qui sont de plus petite taille, qui sont de qualité, peut-être avec des finitions, des aménagements qui sont un peu moins bons, un peu moins bonnes. Donc des objets de moins bonne qualité. Mais si on corrige la qualité, on a encore une évolution positive des prix qui est due principalement à l'évolution des taux. Et puis sur les logements locatifs, on voit cette baisse, moins 2%, qui est assez similaire à ce que l'on voit sur l'ensemble du marché suisse. Et puis ici, le chiffre qui surprend, mais qui est bien réel, avec un nombre d'indicateurs relativement important, c'est ces moins 17%, presque moins 18% sur les surfaces de bureaux. Donc longtemps, on n'a pas bougé les loyers. On a essayé de louer à des niveaux de loyers qui étaient encore raisonnables. Et aujourd'hui, on observe des corrections sur le marché, sur les différents objets qui sont disponibles. Alors, je vous propose de rentrer dans les différents segments. Vous voyez ici les indices de prix pour la villa, avec une évolution qui, somme toute, est assez constante. C'est les taux, c'est le fait qu'on ne construit pas énormément de villas, et donc on a une stabilité qui est assez importante. On n'a pas eu non plus de prix qui était très, très élevé, de grosses exagérations sur le marché au niveau des prix. Donc la fluctuation que vous voyez ici, par exemple, sur le canton de Vaud, avec une baisse assez forte jusqu'en 2016, début 2017, et puis après une hausse de nouveau. On ne l'a pas connu ici à Neuchâtel, on a eu une évolution beaucoup plus constante. Sur les différentes régions, on a des évolutions qui sont là aussi toutes relativement calmes. On a eu une petite surprise l'année dernière de voir cet indice ici qui augmentait de manière assez forte. C'est un effet de base, hein, avec des prix de base qui sont très bas. Avec les taux bas, on arrive quand même à financer des objets à des niveaux de prix qui sont relativement élevés. Il y a eu une petite correction ces derniers mois, ici sur le Val de Travers. Les prix, ils sont toujours aussi différents. Pierre-Alain Leuenberger l'a dit, on a une mosaïque de prix sur le canton de Neuchâtel. La limite, elle se situe là, hein. C'est le million. On voit que sur le littoral, on a pour un objet type, ici, on a pris 920 mètres cubes sur un terrain de 500 mètres carrés. On a des prix qui peuvent dépasser le million de francs. Et puis, dès qu'on va au-delà, au Val-de-Ruz, les prix diminuent légèrement. Et puis, dans le haut du canton, on a des niveaux de prix qui sont quand même sensiblement plus bas, plus abordables. Donc, on a ces différences aujourd'hui sur le marché de la villa. On a quelques indicateurs ici. Je vais parler des vacants tout à l'heure parce que c'est les vacants pour l'ensemble du marché. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on construit moins de villas en 2018 que ces 10 dernières années. Donc la tendance, elle est plutôt à la baisse, ce qui va encore probablement soutenir ce marché tant que les taux sont bas. Et puis par rapport à d'autres cantons, on voit qu'avec 0,52, on est dans les mêmes taux de construction que Berne.
on est en dessous de Vaud et puis de la Suisse. Donc, on ne construit pas beaucoup de villas sur le canton de Neuchâtel. Ici, on voit l'évolution des permis de construire qui donne la tendance. Vous voyez qu'on a une légère évolution vers le haut, mais qui n'est vraiment pas très importante. On peut s'imaginer quelques projets qui vont arriver, mais la tendance est relativement calme. Elle ne baisse pas, comme sur d'autres cantons, malgré tout. Et puis, on voit ici les taux de l'offre. Donc, c'est le nombre d'objets sur le marché qui sont mis en relation avec le stock. On voit que l'offre est assez stable. Donc, ici, on a un marché qui, somme toute, est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de construction. On a une évolution des prix qui est maîtrisée et maîtrisable. Le marché de la PPE. Là, vous voyez, donc contrairement au marché vaudois, qui a aussi une baisse de prix qui était substantielle depuis 2013-2014, on voit qu'on a un marché qui a continué d'augmenter, un peu en ligne avec la croissance dans les autres cantons voisins. Donc une augmentation qui n'est pas très importante, mais qui a été constante ces deux dernières années. D'une manière générale, dans les régions, on retrouve cette évolution, peut-être avec quelques exceptions. Ici, le Locle, le Val de Travers, qu'on retrouve avec des évolutions plus calmes. Et puis le Val de Rue également, où on voit une certaine stabilisation. Là, il y a aussi un peu une différence entre le haut et le bas du canton en termes d'évolution des prix toute récente. Et puis cette même carte, hein, qui est assez similaire finalement en termes de couleur à la carte des villas. Simplement, ici, on voit cet appartement type de 110 mètres carrés où la barrière, je dirais, entre le haut et le bas se situe plutôt aux 700 000 francs pour ce marché des propriétés par étage. Donc ici, c'est un objet récent, pratiquement neuf et bien situé. Maintenant, je reviens brièvement sur les taux de vacants. Donc, on voit ici, c'est 2,4% en 2008. Hein, on a passé la barre des 2% à Neuchâtel contre 1,25% ces 10 dernières années en moyenne. Et puis, le taux de construction, 0,72%, qui est plus élevé que la moyenne. Donc, on a davantage de vacants, mais on construit plus. D'où, quand même, un certain risque sur le marché d'augmenter encore cette part de vacants. Pour les locataires, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle. On construit beaucoup, il y a plus de disponibilité et probablement des loyers qui vont continuer à baisser l'année prochaine. Si on compare avec les autres cantons, on voit que ce taux de construction, il est plus important que les dernières années, mais il est quand même très largement en dessous de ce qu'on construit dans les autres cantons. C'est quand même impressionnant de voir que sur Vaud, on construit 1,77% du stock. Là aussi, il va y avoir un rattrapage et nos voisins ne sont pas en train de chômer en termes de construction. C'est cette courbe qui est, à mon avis, une des plus intéressantes. C'est qu'on ne va pas s'arrêter là. Ici, vous voyez les permis de construire sur les immeubles denses, donc hors villa. C'est beaucoup de locatifs. Hein. Ça, ce n'est pas que la PPE, c'est la PPE et les logements locatifs. Mais on voit quand même une évolution qui est assez marquée. C'est les demandes de permis. Donc, on ne s'arrête pas. On a construit beaucoup l'année dernière. On va continuer de construire beaucoup dans le canton de Neuchâtel. Et au niveau de l'offre, on constate que c'est pas la PPE. Ici, c'est que l'offre de PPE. Il n'y a pas de locatif. On voit que ce n'est pas la PPE parce que finalement, l'offre n'a pas beaucoup augmenté. Ça explique aussi l'évolution des prix dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, l'offre sur le locatif, elle, a augmenté. On va le voir tout de suite. Ça, c'est l'évolution des loyers. Donc déjà en légère baisse depuis 2014 sur le canton. On voit que c'est plus calme que dans un canton de Vaud, par exemple, qui a vu ses loyers baisser de manière plus marquée, où ils avaient aussi beaucoup augmenté, beaucoup, beaucoup plus fortement. On a des niveaux de loyers qui restent encore raisonnables. Alors ici, vous avez le bas du canton en haut, parce que c'est les prix les plus élevés, et puis le haut du canton en bas, avec les prix les plus bas. Si on a une médiane à 200 francs par mètre carré par année à Neuchâtel, on a quand même une fourchette qui est assez large. Ici, ça peut aller jusqu'à 280 francs par mètre carré par année. Dans le haut du canton, on a des fourchettes qui sont plus restreintes. Et puis, ce que je vous disais avec les taux de l'offre, on le voit ici. Donc, cette évolution quand même assez marquée du nombre de logements qui sont dans les annonces,
Ça, c'est ce que les gens peuvent aller chercher sur Internet. Donc, on voit quand même cette croissance assez forte depuis 2014. Et puis, c'est en corrélation avec l'évolution des loyers, évidemment, dont on a vu la baisse déjà depuis 2014. Alors, c'est le cas dans des régions qui sont un peu en dehors des grands centres, mais c'est le cas aussi des régions les plus centrales. Et on voit que jusque sur le littoral, on est aujourd'hui au-delà des 8%. Donc, on a eu encore une croissance qui était relativement forte. Donc, on a une offre qui augmente, une population qui se stabilise, et puis évidemment, les vacants qui ont tendance à augmenter, les loyers qui baissent. Voilà la situation ou le tableau selon les chiffres historiques. Et puis maintenant, la question, c'est évidemment, quelles sont les perspectives ? Alors, les tendances. Au niveau de l'offre, c'est une stabilisation, on l'a vu. Pour les villas, on n'a pas une construction qui est très, très importante. On va rester dans des taux de croissance qui sont relativement faibles. Les appartements en PP également, ce n'est pas là qu'on met l'accent, ce n'est pas là qu'on construit le plus, c'est relativement stable. Par contre, on construit davantage de logements locatifs, on l'a vu dans les autorisations de construire. Et puis, on a également une augmentation de l'offre. Alors ici, ce n'est pas tellement la construction, mais c'est l'offre qu'on trouve sur le marché au niveau des surfaces de bureaux. Et puis, la demande, elle est stable, malgré tout, pour les villas et pour les appartements en PP. Donc, c'est vrai qu'on a un peu moins de personnes qui sont venues sur le marché, mais on a quand même toujours beaucoup de personnes qui s'intéressent à la propriété individuelle. Comme les taux vont rester bas, on s'attend à ce que ça soit assez stable à ce niveau-là. C'est au niveau du locatif qu'on aura probablement moins de demandes. Et là encore, c'est là qu'on trouve un certain risque sur le marché d'avoir une évolution qui soit négative. Pour les bureaux, l'emploi est assez fort. Alors, j'aurais tendance à dire un peu plus pour tout ce qui est industriel ou lié à l'industrie que le bureau pur et dur du secteur tertiaire. Mais on a une situation relativement stable. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de prix ? Ça veut dire que pour les villas, on s'attend encore à avoir une situation assez stable. Pour les PP également, des prix qui vont se stabiliser cette année. Par contre, on aura des baisses sur le locatif. Donc, augmentation de vacants, diminution de loyers. Et puis, pour les bureaux, encore une situation où on va encore avoir des loyers qui vont baisser ces prochains mois. Donc, vous le voyez, on a des prévisions qui sont mitigées selon les segments. Ce qu'il faut espérer, c'est que les gens reviennent à Neuchâtel, qu'ils soient intéressés par la nouvelle fiscalité, qu'on ait des gens qui s'installent dans ce beau canton, je peux le dire avec très bonne conscience, parce que j'aime beaucoup être ici. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Hervé Froidevaux pour la clarté de ses propos. Je dois dire que, comme je vous l'ai dit, c'est la troisième édition de cette étude immobilière. C'est certainement l'édition la plus contrastée en termes de résultats et de perspectives. Je dirais à notre niveau, en fait, ce qu'on envisageait ou ce qu'on présentait comme des points d'attention l'année passée déjà se confirme. Et en tout cas, c'est des éléments qui sont évidemment pas du tout sorti de notre radar. Je dois dire qu'à écouter Hervé, plusieurs choses moi qui m'ont frappé, c'est notamment la rapidité avec laquelle on passe d'une situation de pénurie à une situation de suroffre, et une situation de suroffre qui devient presque inconfortable pour les propriétaires et pour les gérants de grands parcs immobiliers. Et on voit que ça, c'est tout ce phénomène, voilà, de nécessité d'anticiper dans le domaine de la construction et puis la durée des projets pour réaliser un projet, pour le développer, pour qu'il soit construit, qu'il arrive sur le marché. Il y a tellement d'inertie que c'est extrêmement difficile de coller à la demande de manière très, très rapprochée. Et on en a l'illustration ici, et c'est des situations qui, on l'a vu sur les graphiques, qui ne sont pas inédites. Hein, ça a déjà été démontré par le passé, mais c'est quelque chose qui est assez remarquable. Et voilà, et je rejoins le constat qu'effectivement, on ne peut pas s'attendre à ce que notamment les investisseurs institutionnels arrêtent d'investir dans la pierre, puisqu'aujourd'hui, l'arbitrage, il se fait entre des projets qui, certes, présentent peu de perspectives de rendement, mais qui s'opposent à des situations de placement de liquidité à taux négatif. Et donc, dans ces situations-là, on comprend bien qu'on soit tenté de continuer finalement à développer ces parcs et ces projets, notamment de logements. Donc, un gros, gros point d'attention là-dessus. Et puis, évidemment, aussi la problématique démographique avec les mesures qui sont en cours et qui, nous l'espérons, effectivement, permettront d'enrayer ce phénomène.
En tous les cas, les constats qui vous ont été faits ce soir, ben pour moi, ils renforcent l'idée que c'est précisément intéressant, important d'avoir une étude qui est consacrée à notre marché régional, qui nous permette vraiment de voir si, encore une fois, ce qui se passe ailleurs est aussi valable ici. Et puis, si les résultats, disons, ou les évolutions constatées sont similaires, est-ce que les causes sont les mêmes ? Parce que c'est aussi nécessaire de bien en comprendre les causes pour pouvoir apporter des solutions. Merci beaucoup, Hervé. Comme je vous l'ai annoncé dans ce programme, place maintenant au constat de marché. Et pour ce faire, la parole est passée à Pedro Palomo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous l'attendiez avec impatience, cette étude immobilière. Donc le voile est enfin levé sur cette dernière étude menée par Wüst & Partner. Wüst & Partner qui est une référence majeure dans le conseil immobilier et l'analyse, mais comme beaucoup parmi vous également dans cette salle. Bienvenue à tous. Je suis particulièrement heureux d'être présent ce soir dans le cadre de cette manifestation du Salon de l'immobilier à plusieurs endroits, par divers canaux. Et puis après cette présentation très détaillée, comme toujours, d'Hervé Froidevaux, mon intervention vise à apporter aux données statistiques, graphiques qui vous ont été fournies, eh bien, des réalités du terrain qui ont un impact direct sur l'activité foncière. Pour cela, je vais recourir à un indicateur, un seul, qui est extrêmement fiable à mon sens, mais qui n'est plus assez utilisé, c'est celui de l'expérience. Une expérience qui, pour notre part, émane de la position de leader que nous occupons sur le marché hypothécaire cantonal, mais qui s'appuie également sur les contacts permanents que nous avons avec les acteurs qui font vivre et évoluer l'immobilier au quotidien. Pour cela, on va passer directement au programme avec la situation de marché, comment s'est portée... Voilà, comment s'est porté le marché immobilier neuchâtelois en 2018 ? Quels ont été les facteurs déterminants qui l'ont fait évoluer ces dernières années ? Et puis, ce qui vous intéresse le plus ce soir, c'est quelles sont ces perspectives ? Voilà donc, mesdames, messieurs, les thèmes sur lesquels je vais vous donner nos impressions. Je vais vous faire part de certains pressentiments et tout ça, je peux l'assurer, sans le moindre filtre. Passons donc aux diverses classes d'immeubles. Et je vais commencer par l'immobilier commercial, qui est un segment très important de notre économie. Un segment qui se comporte de manière assez rationnelle, puisqu'il est porté par des fondamentaux que sont les cycles conjoncturels, que sont les mutations sectorielles. Et puis si on prend dans l'industrie et l'artisanat, eh bien, on constate que les investissements immobiliers sont rythmés par... la situation économique ou alors par les indices de confiance. Preuve en est, en 2015-2016, il faut se souvenir, lors du ralentissement dans l'horlogerie, eh bien, passablement de projets immobiliers avaient été suspendus en attendant des jours meilleurs. Dans l'industrie et l'artisanat, aujourd'hui, la situation du marché immobilier, elle est saine. Les perspectives sont favorables, ce qui permet au tissu économique de disposer d'un parc immobilier varié qui répond globalement à ses attentes. Alors voyons comment est-ce que cela se traduit par segment. Si l'on prend notre industrie traditionnelle, l'horlogerie, les pharma, la machine-outil, eh bien ces entreprises couvrent elles-mêmes ponctuellement leurs besoins en fonction de leur positionnement, mais surtout de leur stratégie de développement. Un développement qu'il faut quand même reconnaître, dès qu'il touche des très grands groupes industriels, se heurte à certaines limites de notre marché neuchâtelois de par sa capacité restreinte à fournir des grandes surfaces de terrain à ces groupes. En ce qui concerne les entreprises qui sont actives dans les domaines technologiques, dans l'innovation, que ce soit des start-up ou des entreprises déjà bien établies, eh bien, ces entreprises ont besoin souvent d'évoluer dans des environnements communs, bénéficier de services et de synergies entre elles. Eh bien, là, nous avons les hôtels d'entreprise qui ont une palette assez large de prestations qui va être renforcée. Elle a été renforcée l'année dernière avec un bâtiment important à La Chaux-de-Fonds, au Sentier. Et puis cette année, l'arrivée d'InnoParc 4 à la rue Pierre-Amazel. Pour notre artisanat, il y a eu ces dernières années la construction dans toutes les régions de passablement de surfaces multi-usages, les fameuses box. Il y a également eu des reconversions avec succès d'ailleurs
de certains sites industriels ou commerciaux qui n'étaient plus adaptés et qui ont été convertis en véritables centres d'artisans. Et ces locaux sont très prisés des entreprises du second œuvre dans la construction, des activités de mécanique pour les services et pour tous les besoins de stockage. Au niveau des terrains, la demande reste soutenue, notamment dans les pôles d'activité stratégique, des deux côtés du littoral, Boudry, Latène, également le Cré du Locle, mais également dans les zones d'activité régionales, au Val de Travers, la zone Corneau-Cressier, au Locle, et puis de la demande déjà pour la zone qui est prévue dans le cadre du plan directeur cantonal, la zone du Chiou à Boudevilliers. Cet attrait, il maintient, voire même il renforce, suivant les situations géographiques, les prix dans les zones d'activité économique. Je vous le disais donc, une situation pour ce segment industriel artisanal qui est saine, dont les perspectives sont bonnes, mais pour qu'elle perdure, il faut que notre économie conserve sa vigueur actuelle, une vigueur qui fait quand même de notre canton, il faut le rappeler, l'un des plus productifs de notre pays, une vitalité qui est vraiment appréciée, qui attire les investisseurs, notamment externes. C'est souvent ceux de l'externe qui apprécient le plus nos qualités, puisque depuis quelques années, des fonds de placement immobilier, des family office investissent, qui viennent de toute la Suisse, de l'étranger, investissent massivement dans des sites industriels, commerciaux, en quête d'un rendement qui est intéressant, supérieur au placement dans l'immobilier de rendement. Et puis en plus, en contrepartie, ils bénéficient d'une sécurité qui est offerte par des locataires de première qualité. Si on passe aux surfaces de vente et de bureaux, ça a été évoqué, la situation est totalement différente. Ce segment est affecté depuis passablement de temps par les changements de paradigme, tant dans les méthodes de travail avec le coworking, le télétravail, que dans les modes de consommation avec le développement du commerce en ligne, mais également le tourisme d'achat transfrontalier. Tout cela libère passablement d'espace dans le canton. Alors certes, il y a eu quelques cabinets de groupes de médecins, des crèches, des institutions para-étatiques qui se sont installées, mais ce n'est vraiment pas suffisant pour combler les plus de 40 000 mètres carrés qui sont recensés comme vacants. Il va donc falloir des années pour résorber cette offre excédentaire et nos professionnels de la gérance devront être patients, vigilants, dynamiques pour trouver des locataires, mais également assez créatifs pour envisager d'autres affectations, bien que cela ne soit pas si évident puisqu'on se confronte vite à des problèmes techniques et financiers en termes de rentabilisation. Donc un segment à surveiller de près qui va subir encore la pression sur le prix des loyers et les prix de vente. Voilà donc pour ce rapide tour d'horizon du parc immobilier qui abrite aujourd'hui dans notre canton nos centres de recherche, de fabrication, de services. Passons maintenant à un immobilier qui abrite nos contribuables, c'est l'immobilier résidentiel avec en l'occurrence les habitations à propre usage, la villa et la PPE. Ces deux segments qui à la base ont une vocation commune, mais il faut reconnaître ces dernières années elles ont pris des orientations un peu différentes, on va le voir tout à l'heure. Pour la villa, qu'elle soit individuelle, mitoyenne, elle reste dans nos diverses régions prisée, notamment par la catégorie des familles. Et on peut dire que même si au niveau des prix, il y a eu une augmentation sensible ces 10 dernières années, en moyenne annuelle de l'ordre de près de 4%, on l'a vu, eh bien, on peut dire qu'on considère que le niveau de prix actuel est tout à fait acceptable. Il n'y a pas eu de situation d'excès, contrairement à certaines régions vaudoises, comme ça a été évoqué, qui ont corrigé par la suite. Et s'il n'y a pas eu de situation de surchauffe, c'est pour deux raisons. La principale, c'est que le marché de la PPE est tenu en grande majorité par les professionnels locaux, des professionnels locaux qui connaissent les spécificités de notre canton et qui ont surtout toujours fait en sorte de sonder préalablement le marché pour vraiment cerner le potentiel d'achat avant de partir dans des grandes réalisations. Donc, il faut saluer la sagesse, le professionnalisme de nos acteurs locaux. Et puis, la deuxième raison, elle est d'ordre plus général, c'est que la villa n'est pas destinée aux investisseurs professionnels tels que les fonds de placement ou institutionnels. Ils ne considèrent pas ce type de placement comme une perspective de rendement viable. Au niveau des
perspective de prix, donc en effet, on pense que ces prix vont rester stables. Tant que l'élan démographique n'aura pas été relancé, la demande va rester limitée. Une demande quand même qui touche des acheteurs potentiels qui doivent disposer de certains moyens. Et puis d'un autre côté, l'offre ne va pas fortement se développer, et bien tout simplement par cette sagesse de nos promoteurs qui veillent toujours à développer des projets qui restent en adéquation avec la demande. Néanmoins, dans ce contexte, il n'en demeure pas moins que les vendeurs et les promoteurs doivent vraiment veiller à fixer directement le prix juste lorsqu'ils mettent un objet en vente sur le marché. On a constaté depuis une année qu'il y a un rallongement dans les délais de commercialisation des villas. Pourquoi ils doivent mettre le prix juste ? Parce que d'un autre côté, il y a des acheteurs qui sont vigilants tout d'abord à la qualité et puis aux limites de prix qu'il ne faut pas dépasser. Et pensez bien que s'ils venaient à les oublier, bien, il y aura bien une banque qui va le leur rappeler. Passons donc marché stable. Passons aux résidences d'un certain standing. Là, situation différente. Le marché a corrigé, mais depuis déjà plus de 2 ans, en tout cas 2 ans et demi, nous avons vu des corrections de valeur sur certains objets de près de 30% lorsque les opérations se concrétisent. Alors, soyons rassurés, cette situation s'est également déroulée partout en Suisse dans le marché du luxe à des niveaux de prix supérieurs. Mais si on prend dans le canton de Neuchâtel, si on fait vite un tour du canton ou un BCN Tour, si on prend le Val de Travers, le Locle à partir d'un million, la Chaux-de-Fonds, le Val de Rue, 1,2 million, 1,250 million, et le littoral 1,5 million, 1,6 million, à partir de ces prix-là, clairement, la demande est très limitée. Et quand elle est présente, en l'occurrence, elle est très exigeante. Segment de la PPE qui évolue dans un environnement bien plus complexe. C'est un segment qui a subi certaines grosses mutations ces dernières années. La toute première remonte à 2012. C'est lorsque les conditions de financement bancaire ont été durcies pour les biens d'habitation, ce qui avait directement affecté la demande à propre usage, notamment au niveau de la PPE. Ces normes réglementaires qui sont toujours en vigueur, qui ont été un peu renforcées entre deux, elles exigent un apport minimum de fonds propres de 10% des fonds propres libres sous forme d'épargne et elles exigent également un amortissement régulier de la dette. Il faut se souvenir que ces mesures avaient été introduites pour calmer l'activité immobilière à l'époque. Il s'agissait d'entamer cet atterrissage en douceur du marché, un atterrissage qui dure quand même depuis 7 ans maintenant. La deuxième évolution de marché de la PPE, celle-là n'a pas été réglementaire mais naturelle, bien qu'elle n'était pas attendue, c'est la forte baisse qu'il y a eu sur les taux d'intérêt qui n'étaient déjà pas très hauts à l'époque. Mais à partir de 2014, il y a eu une forte baisse pour, à partir de 2015, les faire arriver en territoire négatif. Et là, cette diminution des taux d'intérêt a provoqué un effet, c'est l'arrivée massive sur ce segment de la PPE. D'investisseurs de tout type, des privés, épargnants, des professionnels, des institutionnels, qui ont provoqué une très forte demande. Et puis les promoteurs immobiliers, en voyant cette demande, ont orienté les nouvelles constructions qui étaient destinées à de la PPE au marché locatif pour arriver à la situation que l'on connaît actuellement dans ce segment. Si on prend la situation de la PPE, en termes des promotions immobilières, les délais se sont également rallongés, mais depuis maintenant plus de 2 ans. Ça fait quelques années qu'on n'a plus le souvenir des belles périodes où les appartements étaient vendus sur plan, donc tout était vendu avant que les travaux ne débutent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il n'est pas rare que les promoteurs doivent recourir au soutien des entreprises de construction, des artisans, maîtres d'État, pour qu'ils se portent acquéreurs de certaines unités, soit pour permettre le démarrage de la promotion, soit pour liquider de stocks invendus. Alors cette situation, cette solidarité des artisans, elle a permis de maintenir les prix de la PPE ces 2 dernières années, mais elle n'est pas forcément saine en soi, car elle ne correspond pas à une demande naturelle du marché. Et c'est là que l'expérience est importante. Car il faut se souvenir qu'au début des années 90, lors de la précédente crise, eh bien, ce cas de figure s'était déjà
produits et les entreprises avaient mis des années et des années pour écouler ces lots de leur bilan. Au niveau des prix de la PPE, nous avons constaté également une stabilité des prix depuis quelques mois. Et par rapport aux perspectives, on pourrait envisager même un certain tassement, léger tassement, si l'économie venait affaiblir, ce que nous ne souhaitons absolument pas. Passons maintenant à l'immobilier de rendement, sans conteste la catégorie la plus commentée de cette dernière année, avec son protagoniste principal qui est le vacant. L'augmentation du nombre de logements vides a été analysée à maintes reprises. Les constats sont simples. Tout d'abord, une démographie qui fait que ça affaiblit la demande. Et puis, d'un autre côté, nous avons des nouveaux logements qui arrivent progressivement, sans pour autant que l'activité de construction soit débordante. Au contraire, les entreprises se plaignent du manque de volume. Enfin, ces nouvelles réalisations sont en grande partie motivées par justement la situation qui règne sur le marché monétaire, puisque depuis 4 ans maintenant, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, les investisseurs sont confrontés à une situation de taux négatif et l'immobilier représente la seule source de rendement viable pour ces investisseurs. Donc, d'un autre côté, pour les propriétaires, il y a une pression sur les loyers. Cette pression, elle est légitime de la part des locataires. Ils ont attendu assez d'années en période de pénurie. Mais c'est clair que cette pression a un effet sur les états locatifs qui commencent à diminuer. Les revenus diminuent et alliés à une hausse du taux de vacance, eh bien, ça commence à provoquer certaines corrections de valeur sur les immeubles. Une correction de valeur qui peut devenir plus importante pour les objets qui sont peu entretenus ou alors mal situés. Et là, il faut absolument être vigilant. De par les prévisions sur 12, 18, voire même 24 mois, d'après les spécialistes sur les taux d'intérêt, des taux d'intérêt stables, eh bien, cela n'est pas de nature à freiner cette évolution. Une évolution qui, j'ai l'impression aujourd'hui, consiste un peu à arroser un sol qui est déjà gorgé d'eau. Et il va vraiment falloir que l'on réfléchisse, qu'on trouve des solutions pour éviter que ce marché résidentiel de rendement ne tombe dans un profond déséquilibre, si profond qu'au terme, seule une politique très restrictive en matière de crédit pourra rétablir cela, chose qu'on ne veut vraiment pas voir arriver. Alors, est-ce que notre marché neuchâtelois a les capacités d'évoluer et de renforcer son attractivité dans ces conditions en tant que fervent défenseur des atouts de notre canton et des compétences qui s'y trouvent? Je pense que clairement, oui. Aujourd'hui, les mesures structurelles au niveau de la fiscalité, de la mobilité ont été entreprises par les autorités cantonales. Le cap est donné et désormais, il est du ressort de tous les acteurs de donner une nouvelle impulsion à notre manière de construire, de transformer, de rénover, puisqu'on en a parlé aujourd'hui toute la journée. C'est vraiment nécessaire pour un seul objectif qui a déjà été évoqué, c'est celui d'amener de nouveaux résidents, à savoir de nouveaux contribuables. Et pour les attirer, il faut les séduire avec un habitat de qualité, un habitat qui prend aujourd'hui, qui doit prendre absolument en compte les notions liées au changement des modes de vie, qui sont de plus en plus rapides, au vieillissement de la population, ainsi qu'aux diminutions des besoins énergétiques. Alors pour cela, il va falloir innover. Alors quand on parle d'innovation, le canton de Neuchâtel ressort comme le champion de l'innovation technologique, mais il faut quand même avoir à l'esprit que l'immobilier neuchâtelois a souvent été novateur et précurseur de certains modèles d'affaires. J'ai pris quelques exemples. Tout d'abord, le site Dubier, qui était déjà l'une des plus grandes usines dans la première partie du XXe siècle, mais qui, à la fin des années 90, lorsque les activités ont cessé, eh bien, s'est converti dans le plus grand centre artisanal en reconversion de Suisse, un site emblématique aujourd'hui du Val de Travers qui a encore des projets dans le cadre du plan directeur cantonal. Autre exemple de transformation dans les années 2000, les lofts. Alors, le concept de loft n'est pas nouveau en soi, on est bien d'accord, mais jamais de tels aménagements avaient été faits avec une grande mise en valeur, un tel respect du patrimoine architectural et historique des bâtiments.
Et puis, autre exemple, la ville de Neuchâtel, qui a été pionnier en Suisse quand même, des stades multifonctions, après le parc Saint-Jacques à Bâle, après le stade de Suisse à Berne. Eh bien, Neuchâtel dispose d'un stade qui brille aujourd'hui de mille feux et qui est sur le podium des villes à avoir eu ces stades multifonctionnels. J'ai shooté quand même, on a fait une petite analyse, j'ai shooté le stade de Genève qui est arrivé un peu avant, mais qui s'est avéré quand même un fiasco financier et également architectural. Donc on a gagné cette place-là. Et puis, dans un contexte plus touristique, bucolique, l'hôtel Palafitte, alors vous me direz, oui, c'est un élan national avec l'Expo 02, mais pensez-vous vraiment que cet hôtel situé, construit à Bienne, à Yverdon ou à Mora, aurait eu un tel rayonnement? Pas besoin de répondre, je pense qu'on le sait tous. Mais cette capacité novatrice, elle ne date pas que d'il y a 10 ou 20 ans. Le canton de Neuchâtel l'a depuis des dizaines d'années, puisque en 1954 s'est créée l'unité locative d'un seul tenant la plus grande de Suisse, 150 logements, la rue du Bois Noir. Ça a été vraiment précurseur. Et puis je me suis dit qu'il fallait finir par une bonne transition pour le thème qui va être traité par M. Nicollier. Je ne sais pas si vous le connaissez, la dernière. Ben, l'année d'après, toujours à La Chaux-de-Fonds, se construisait la tour d'habitation la plus haute de Suisse, la tour de la gare. Donc vous voyez qu'on a innové également à ce niveau-là. Donc voilà, mesdames, messieurs, très brièvement, les constats, les sensations, voire les émotions du terrain. Je vous remercie de votre attention et du soutien que vous portez à l'immobilier neuchâtelois. Merci, merci beaucoup Pedro. Donc vous avez vu quelques difficultés qui ont été confirmées par le marché. Pas de pessimisme cependant, on est quand même confiant justement dans notre capacité de traverser cette phase de marché, mais qui présente effectivement un peu plus d'enjeux, un peu plus de défis que ça pouvait être le cas par le passé. En fait, moi ce que ça m'inspire tout ça, cette situation, c'est peut-être que pendant les 10-15 ans où tout allait bien, le marché il a été très indulgent avec les investisseurs. On pouvait se permettre de se tromper et puis le marché avait tout fait de corriger en fait les erreurs qu'on pouvait commettre. Et je crois que c'est déjà un peu ce qu'on disait l'année passée. Ce qui a vraiment fondamentalement changé, c'est qu'aujourd'hui, dans le marché dans lequel on n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment axer son produit de la meilleure manière possible, répondre à une demande, arriver au bon moment. Et c'est toute la difficulté dans cette phase-là. Puis peut-être un rappel, parce que ça a déjà été évoqué deux fois ce soir, et je ne pense pas que notre intervenant suivant va faire un détour par les taux d'intérêt, quoique, qui sait. Mais Hervé Froidot en a parlé, Pedro aussi. Juste un petit rappel pour vous dire que les taux bas actuels, c'est magnifique, profitons-en, mais c'est artificiel. Il faut le rappeler, enfin, il faut s'en souvenir. C'est des taux qui ne sont pas des taux qui sont mus par les forces du marché. Ce n'est pas des taux qui existent par une activité économique qui va dans un sens ou un autre. Pardon. C'est des taux qui sont définis par une politique monétaire. Donc, c'est sur une décision qu'on a des taux au niveau où on les a aujourd'hui. Et ce qui a pu être décidé dans un sens de manière aussi abrupte peut être décidé dans un autre sens de manière tout aussi abrupte. Et dans ce sens-là, je pense que évidemment, ces taux aujourd'hui rendent service à tout le monde et c'est ce qui fait aussi la faiblesse de ces taux, c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas de correction massive aujourd'hui sur ce marché immobilier, donc tant mieux. Mais préparons-nous, il y a des instruments, il y a des possibilités de se prémunir d'éventuelles hausses. En tout cas, gardons à l'esprit que cette situation n'est pas une situation tout à fait normale. Voilà, puis peut-être encore un sujet peut-être un peu plus difficile avant de passer la parole à notre troisième orateur. Juste une information pour celles et ceux qui l'auraient manqué. Il y a quelques semaines, la FINMA a tenu conférence de presse. Ça vous aura peut-être pas échappé. La FINMA qui, justement, met en évidence certains risques aujourd'hui dans ce marché des immeubles de rendement, dans ces immeubles de rapport. Et donc, la FINMA qui dit aussi qu'elle va exiger des banques aujourd'hui, qu'elle s'impose à elle-même, comme elle l'avait fait en 2012 et 2014 pour le résidentiel à propre usage. Ça a été rappelé par Pedro. Donc les banques s'imposent à elles-mêmes des règles strictes dans l'octroi de prêts hypothécaires sur les immeubles de rendement. Et les banques, évidemment, se battent aujourd'hui pour que ces normes-là, si elles s'imposent, elles soient valables pour l'ensemble des acteurs ou l'ensemble des bailleurs de fonds sur le marché. C'est une bataille qui n'est pas gagnée d'avance. Donc on va dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois, vers un durcissement des conditions d'obtention de financement. Dans la nature, les contours exacts ne sont pas encore tout à fait connus, mais c'est bien la direction que l'on prend. Voilà, donc Pedro a parlé en dernier lieu
de Tours. On va encore en parler, c'est notre prochain sujet. Donc encore une fois, le marché, c'est un peu ici et maintenant. Et puis les questions d'aménagement du territoire, les questions d'urbanisme, la façon dont on s'organise pour habiter demain de la manière la plus efficiente et la plus optimale possible, c'est des enjeux d'un autre ordre, c'est d'un ordre un peu supérieur, et ça nous permet maintenant de lever un peu la tête du guidon, de se plonger dans des considérations un peu plus prospectives aussi. J'ai le plaisir pour ce sujet-là d'accueillir Guy Nicollier et de lui passer la parole avec cette question: est-ce le retour des tours? Merci, monsieur Lehnberger. Madame, monsieur, bonsoir. Moi, je vais m'appuyer sur la petite table parce que j'ai quelques notes. Je ne suis pas aussi technologique, je ne suis qu'architecte. On m'a invité un peu en me demandant un truc un peu particulier, le retour des tours à Neuchâtel. Ça m'a un petit peu interloqué. Moi, je crois que le but de mon intervention, c'est surtout de vous montrer autre chose, de vous faire peut-être rêver avec des images un peu différentes. Et suite à ces nouvelles qui ne sont pas forcément toutes très bonnes, mais que nous subissons aussi de notre côté, du côté des architectes. Et c'est une des questions à laquelle je vais essayer de répondre tout à l'heure. Le retour des tours, qu'est-ce que c'est qu'une tour? Pourquoi une tour? Pourquoi est-ce qu'on fait des tours? Pour voir et pour être vu, d'abord. Je crois que ça, c'est une certitude. Ensuite, peut-être pour concentrer des services, pour favoriser les rencontres, et puis certainement pour optimiser le rendement d'un sol qui a une grande valeur. Vous verrez un certain nombre d'exemples, et je vais rappeler quelques éléments historiques de l'histoire des tours dans notre Suisse, dans notre belle Suisse, avec quelques tours emblématiques qui jalonnent notre histoire. C'est une histoire des tours assez récente en Suisse, puisque les premières, c'est les années 30. La première, c'est le cas d'Effray, la chronique, c'est la Tour Belair à Lausanne, qui, à l'époque, en 1930, faisait parler d'elle comme une aberration, enfin quelque chose d'absolument scandaleux. On parlait d'un building, on l'a comparé à l'Empire State Building. C'est un bâtiment qui fait, somme toute, seulement 14 étages et 50 mètres de haut. Alphonse Laverrière, 1931. Vote populaire, 71% de la population lausannoise vote pour. La deuxième tour intéressante, c'est la tour Eddy Press. Alors là, on est dans le minimalisme des années 60. Form follows function. Jean-Marc Lamunière construit cette tour sans aucun problème, puisque parallèlement, Jean Tchoumi proposait une tour de 280 mètres à Beaulieu, qui était publicitée par la population lausannoise dans un book qui était ouvert dans les halls d'entrée de la Banque cantonale vaudoise, à la place Saint-François. Et les gens plébiscitaient cette tour par signature. C'est un truc tout à fait étonnant. Autre tour que vous connaissez tous sans doute aussi, la Prime Tower, qui a été jusqu'à récemment la plus haute tour de Suisse, avec 128 mètres. 128 mètres, c'est la limite à partir de laquelle, aux États-Unis, on parle d'un skyscraper, d'un gratte-ciel. Donc on y est juste avec la Prime Tower. Et puis la plus récente et la plus remarquée maintenant mondialement, c'est la tour de Herzog de Meuron à Bâle, à 178 mètres, 41 étages, 2000 places de travail. Donc évidemment, les tours, c'est des lieux de rassemblement. Hein. J'y reviendrai. Petit tour à Neuchâtel, un petit tour des tours neuchâtelois. Alors moi, mes grands-parents habitaient au Vernier, mais je ne connais pas super bien Neuchâtel. Par contre, je connais ces quelques projets-là. L'une qui est juste à côté d'ici, hein, juste là en dessus, qui était malheureusement pas très bien rénovée à mon goût. Donc la... excusez-moi, je heurte peut-être quelques personnes. La tour Firestone, la tour des Cadoles, qui était récemment aussi transformée en chambre d'étudiants, et puis de manière plus emblématique, la tour Espacité à La Chaux-de-Fonds. Qui a eu l'occasion aussi d'être voté par la population en 89. 70% de la population était favorable à ce projet.
une tour de 60 mètres de haut, 14 étages. Et puis enfin, la tour de l'OFS, ici à Neuchâtel, qui sont vraiment des bâtiments emblématiques connus à travers la Suisse. Quelques images de projets qu'on va voir sortir de terre ces prochaines années, qui se trouvent un peu partout ici en Suisse. Alors, en haut à gauche, vous voyez la Esplanade Tower à Fribourg. C'est marrant parce qu'on a toujours des noms américains, des tours en Suisse, mais c'est comme ça. Donc ça, c'était un concours. Ça se trouve à côté de la gare de Fribourg. Et la tour des Vernets à Genève, là, un énorme développement immobilier, dont une tour proche de l'Arve. Là, vous voyez le pont Wilsdorf juste à droite de l'image. En bas à gauche, vous voyez un projet de Stefano Boeri, l'architecte milanais, à Chavannes-près-Renans, qui a obtenu aussi plus de 70% d'un plébiscite populaire lors d'un vote en 2014, à 117 mètres de haut, une tour végétalisée. Et puis enfin, un projet qui est en maturation maintenant, qui est à Genève. On est sur le PAV, c'est le plan Praille-Acacia-Vernet, la zone que vous voyez ici. Voilà, ça, c'est des tours qui vont mesurer environ 150 mètres de haut. Je vous parlerai tout à l'heure de ces petites tours ici, qui est un des projets dont je me suis occupé. Donc ces projets-là sont en maturation actuellement. C'est les plus grands tours de Suisse, à terme aussi. Voilà, donc c'est pour dire que des projets, le retour des tours, oui, mais pas partout, et pas dans n'importe quelle situation. Et j'y reviendrai. Maintenant, je vais vous parler de quelques expériences que nous avons eu la chance de... sur laquelle nous avons eu la chance de travailler avec mon équipe. La première, M. Lennenberger en a parlé tout à l'heure, c'est la tour Tawa. On était un jeune bureau à l'époque, 2008, lorsqu'on gagne ce concours, en se mettant hors concours, puisqu'on est sorti du périmètre qui nous était proposé. Un programme extrêmement chargé pour le site de Beaulieu que vous voyez au premier plan, et une difficulté à rentrer ce programme dans un site relativement exigu à la fin, et on se dit, mais comment on sort de là ? Eh bien, on monte. Et le terrain vaut cher à cet endroit-là, évidemment. Et c'est un espace de foire, c'est un espace où on a besoin de pouvoir circuler facilement, où le public doit pouvoir être accueilli avec efficacité. Et on se dit, ben voilà, on va empiler le programme, on va mettre les éléments l'un sur l'autre, et ça va faire une tour. Et à côté, il y a la halle de Beaulieu, que vous connaissez peut-être, qui a été réalisée, puisque la halle... n'a pas fait l'objet de la votation qu'a subi la tour. Voilà, c'est une situation de la tour. On voit la... J'ai de la peine à manipuler ce truc-là. Voilà, la tour, elle est ici. C'est ce rectangle qui est là. C'est tout petit. C'est ça qui est intéressant avec les tours. C'est que l'impact au sol est minimal. Par contre, on rentabilise le sol parce qu'on multiplie les étages. Alors là, on voit l'effet produit par un plan qui concentre le programme, c'est qu'on dégage un espace public. C'est le plan des aménagements extérieurs que vous voyez, le plan qui a été soumis au vote notamment. Et vous voyez devant la tour, ce qui nous a fait gagner le concours au fond, et ce qui était la vertu de ce projet, c'est d'offrir un grand parvis devant. La plupart de nos concurrents ont construit tout ceci, donc il n'y avait plus aucune ouverture sur la ville à l'extrémité de l'esplanade de Beaulieu. Donc voilà, ça c'est vraiment... pourquoi on fait une tour ? Ben parce que c'est plus efficace, tout simplement, dans cette situation-là. Voilà, ça c'était une promotion privée sur un terrain public, avec une mixité de programmes, qui a été notamment, probablement, l'une des raisons de l'échec du projet, parce que tout le monde a voulu y mettre tout ce qu'il voulait. C'était Babylone. Il fallait qu'il y ait absolument tout. Il fallait qu'il y ait les infirmières de la clinique de la source, qu'il fallait qu'il y ait un hôtel, qu'il y ait du logement, qu'il y ait du logement social, qu'il y ait un restaurant VIP tout en haut. Tout en haut, là-haut, il y a un dine and view. Ensuite, il y avait des logements de luxe. Ensuite, il y a vraiment une multitude de programmes. Et comme c'est devenu un objet politique...
Tous les politiciens ont voulu, ceux de gauche, du logement social, ceux de droite, plus de rendement, enfin, etc. Enfin, c'était une accumulation de volontés politiques qui ont influencé l'investisseur privé qui était lié. Et ça a probablement présidé à l'échec, une partie de l'échec de ce projet-là, au-delà du fait que mettre une tour dans une pente, ce n'est pas forcément une bonne idée. Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'il y a des gens derrière quand il y a une pente. Voilà, une des questions, ça c'est quelqu'un qui se battait un peu pour la tour, qui a voulu relativiser l'importance de la hauteur de la tour, qui a comparé la tour Beaulieu à Burj Khalifa. On voit Burj Khalifa ici, à droite. Il y a 9 fois la tour Tawa dans Burj Khalifa. C'est assez rigolo. Et en haut à gauche, vous avez un extrait du graphique qui est en bas, qui montre les tours helvétiques. Donc celle de tout à droite, c'est la Roche Tower, qu'on a vue tout à l'heure. Et la Palm Tower, c'est la deuxième depuis la droite. Et en bleu, la tour Tawa. Donc ce n'était pas vraiment un problème de taille, en réalité. Deuxième projet que je voulais vous montrer, qui est une expérience intéressante, qui est en train de s'achever gentiment maintenant, c'est ce projet de la gare Pont-Rouge, de l'Ancy Pont-Rouge, donc ce complexe immobilier qui se trouve autour de la gare de l'Ancy Pont-Rouge, qui sera à terme la deuxième gare du canton de Genève en termes de voyageurs, de trafic voyageurs. Donc là, se crée sur des terrains CFF, un grand centre commercial et administratif qui va bénéficier évidemment de cette proximité de la gare CFF. Ce projet-là, ça s'est construit très rapidement suite à un concours en 2012 et nous avons achevé pour le moment les premiers bâtiments. Vous voyez de nouveau ici un plan de situation dans lequel on repère très facilement la voie ferrée et la gare. Voilà, et puis les bâtiments qui sont ici, les 3 tourettes ici de 55 mètres sont construites et aujourd'hui hébergent notamment l'école club Migros du canton de Genève. Et puis ces 2 bâtiments-ci sont en voie d'achèvement actuellement qui encadrent la place de la gare de Lancy à terme et tout un quartier de logement qui est en construction actuellement ici sur des terrains CFF. Donc ça, c'est des opérations qui ont pu se faire assez rapidement. Pourquoi ? Parce que des plans de quartier avaient été déjà validés auparavant et donc les volumétries étaient déjà prêtes. Donc lorsqu'on a mis à l'enquête, puisqu'on respectait les gabarits acceptés, ça a pu se déclencher rapidement. La question n'était plutôt que du côté de la location et de l'achat des surfaces, puisque les CFF, évidemment, voulaient que les choses soient déjà enclenchées de ce côté-là avant de se mettre en chantier. Mais ça s'est fait relativement bien et assez vite. Et voilà, on a la chance de voir ces bâtiments aujourd'hui réalisés et construits. Ces 3 premières tours que vous voyez là, à gauche, vous voyez un bâtiment qui a exactement mon âge, qu'on va démolir bientôt. Et voilà, donc ça, c'est les premières tours que nous avons eu la chance de réaliser récemment. Donc au rez-de-chaussée, vous voyez des commerces, et puis tout le reste des étages, ce sont des surfaces administratives, de bureaux. Un autre projet auquel on a eu la chance de contribuer, c'est un projet de tour à Schönbourg, la tour Opal, c'est sur la ligne de Seva. Alors là, il s'agissait d'une tour de logement. Et on est aussi là, de nouveau, sur une gare de chemin de fer. Donc le Seva, c'est la ligne, la ligne qui va de Genève à Annemasse, qui traverse le canton de Genève. Et c'est de nouveau des terrains CFF. Que du logement. Et le projet que nous venons de remporter très récemment, c'est la tour de Malais-Gare. Donc ça se trouve à peu près en face de la patinoire de Malais, dont on a la chance aussi de s'occuper.
actuellement, qui est en construction. Ce projet est en plein développement. Le projet que vous voyez cela, qui est constitué en fait de deux bâtiments. L'un des deux contient une tour, deux logements, avec une architecture qui tire sa source et son inspiration et fait référence, disons, au contexte industriel de ce plateau de Sébeillon, donc ce plateau de Malais, sur lequel se trouvaient les abattoirs et sur lequel se trouve actuellement, pour ceux qui connaissent un peu la région, la patinoire provisoire de Malais. Voilà la vue de la future place de la gare de Malais, dont on reconnaît en deuxième plan la gare existante de Rodolphe Lucher des années 90. Et cette tour contiendra au rez-de-chaussée du commerce, puis de l'administratif, et enfin, et on le lit en façade, des logements. Plan de situation, très rapidement, vous voyez la future place de la gare de Malais-Gare. Ici, c'est Malais-Lumière, pour ceux qui connaissent, et ici, c'est la patinoire de Malais, qui est en chantier actuellement et qui sera terminée d'ici la fin de l'année. Voilà, de nouveau, les terrains CFF. L'un des enjeux de ces tours, évidemment, c'est le skyline. J'ai abordé un peu la question tout à l'heure. Faire des tours dans un terrain plat, c'est génial. C'est comme ça que sont faites toutes les villes américaines. C'est ce qu'on appelle le skyline aux États-Unis, où on reconnaît très, très clairement une courbe où le downtown est le lieu où se trouvent toutes les tours. La difficulté qu'on a en Suisse, et c'est la difficulté de Lausanne en particulier, et de Neuchâtel aussi, c'est qu'il y a la pente. C'est très difficile de planter une tour dans une pente, en fait, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'on met des gens derrière. Tandis que quand c'est plat, eh bien, c'est génial parce qu'on a la vue de tous les côtés, puis on vous voit de tous les côtés. Ça, c'est typiquement une image qu'on a produite lors du concours pour Malais-Gare, pour montrer que depuis le pont Chaudron, on a une vue d'une ville relativement plate vers l'ouest et que la tour de Malais allait sortir de manière assez remarquable. Les tours sont souvent critiquées, ça a été évoqué tout à l'heure. En effet, le coût de construction d'une tour est relativement plus élevé que celui d'un bâtiment traditionnel. C'est plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de contraintes. L'une des contraintes, c'est l'emprise des services et de la technique par rapport à la surface locative ou à vendre disponible. Et là, je vous ai simplement, pour anecdotiquement, mis trois plans de trois projets que je vous ai montrés, donc trois plans qui sortent de mon bureau. En haut à gauche, c'est le plan des niveaux de l'hôtel de la Tour Tawa. Et vous voyez au centre du bâtiment les ascenseurs, les escaliers de secours, les ascenseurs de service, les gaines techniques. Ça occupe presque un tiers de la surface. C'est ça le problème, quoi. C'est le gros problème d'une tour, c'est que ça prend beaucoup de surface. Alors, quand on est dans l'hôtelier ou dans le bureau en bas à gauche, c'est le projet de Schönbourg, qui était du bureau en partie. Et bien là aussi, le bureau, beaucoup d'ascenseurs, beaucoup de techniques, des escaliers de secours pressurisés, etc. Gérer le surcroît de chaleur du bâtiment, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Sur certains aspects, c'est même beaucoup plus performant, une tour. Si elle est bien isolée, si elle est bien protégée de la surchauffe, c'est au contraire un générateur de chaleur. Donc, il faut plutôt refroidir que réchauffer. Et c'est donc... c'est pas forcément un bilan thermique trop négatif. Ce qui est intéressant, c'est la tour qu'on voit, le plan de la tour qu'on voit en haut à droite. C'est le plan de Malais-Gare, donc ce dernier projet qui est sur nos tables actuellement, qu'on va bientôt mettre à l'enquête, c'est du logement. Et là, vous voyez que le ratio est bien meilleur. Parce qu'au fond, il y a moins de circulation dans un immeuble de logement que dans un immeuble de bureau. C'est assez logique, disons. Donc voilà, c'est un rapport qui est un peu meilleur. Ça m'enchaîne à cette réflexion, c'est que au fond, les tours, le retour des tours, oui, même, en fait, c'est tellement pointu et tellement particulier, là, une tour, que ça n'a lieu d'être que dans des endroits très, très singuliers. Et vous l'aurez peut-être compris,
en général, il faut des transports extrêmement efficaces. Et ce n'est pas une grande découverte que de voir que la plus grande partie des tours que je vous ai montrées, ceux dont nous nous sommes occupés, mais celles de nos collègues aussi, sont toujours sur des terrains CFF, pratiquement toujours. C'est sur les gares que ça marche. En Suisse, on fait des tours sur les gares, tout simplement. C'est un peu une caricature, mais c'est pas loin. Alors, on m'a demandé, mais elle a dit, mais alors, bon, alors, OK, les tours, c'est pas la solution, c'est pas le Graal. C'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est où? Où est le potentiel? Où est-ce qu'on va travailler maintenant? Eh bien, le potentiel, c'est la zone villa. C'est une provocation un peu que je vous fais. 57% des bâtiments suisses sont destinés à l'habitat individuel, ce qui en soi, quand on réfléchit au développement durable, est une aberration. Si on prend le canton de Genève, la moitié de la zone à bâtir du canton est occupée par des villas et seulement 10% de la population. C'est aussi une aberration. Enfin, ce n'est pas une grande découverte de savoir que la villa, en termes de développement durable, ce n'est pas GG. Donc voilà un potentiel, voilà quelque chose de très intéressant. C'est des études qui se mènent, je sais qu'elles se mènent aussi dans le canton de Neuchâtel, elles se sont menées aussi dans le canton de Neuchâtel. Là, je vous présente le travail d'une collègue, Mariette Beyeler, qui vient de sortir cet ouvrage. Enfin, il a déjà même un peu plus, il a 4-5 ans, sur une réflexion sur cet enjeu qui est le développement vers l'intérieur. Cette optimisation du sol qui est induite par la révision de la LAT, donc il a déjà été fait par tout à l'heure. Donc ça, c'est fondamental. C'est réellement là que les métiers de la construction doivent regarder, à mon avis. C'est là que nous-mêmes, comme architectes qui avons maintenant 80 collaborateurs avec des très grands projets, qu'est-ce qu'on fait demain? Peut-être demain, on revient comme on était... En 2005, on sera peut-être beaucoup moins nombreux, puis on fera des villas, parce que c'est ça qu'il y aura à faire, parce que les grands projets, ils sont pratiquement tous connus, ils sont pratiquement tous sortis de terre, ou en tout cas planifiés, et les grands investisseurs immobiliers savent déjà, ce qui nous attend dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc nous sommes déjà obligés de regarder vers ce potentiel, qui est toujours nécessaire, comme je crois que les chiffres l'ont montré tout à l'heure, on a besoin quand même toujours de trouver de la villa. Il y a toujours 25% des Suisses qui rêvent de la villa. Il faudra toujours répondre à ces gens-là. Mais on n'a plus de terrain, parce que voilà, il faut développer vers l'intérieur. Donc c'est une vraie question sur laquelle il est impératif que les métiers de la construction s'intéressent. Et cette étude qui a été faite, là je mentionne celle du canton de Vaud que je connais un peu mieux, mais qui relève de questions comme j'ai une villa, mais est-ce que je peux valoriser mon terrain? Est-ce que je peux créer mon lieu de travail? Est-ce que je peux diminuer mon loyer si je crée un logement? Si ma famille se réduit, on était 5 quand on a construit, on n'est plus que 2, est-ce qu'on pourrait trouver une façon d'avoir un locataire? Est-ce que je peux, alors que je suis à la retraite et puis mes enfants sont partis, contracter un crédit hypothécaire pour construire un logement? Enfin, des questions qui vont se poser et qui se posent autour de cette notion de la densification de la zone villa, qui me semble être un enjeu extrêmement intéressant sur lequel il faut s'orienter. Et je pense que les chiffres qui ont été énoncés tout à l'heure corroborent cette question-là. On voit que la villa, il y a quand même une demande relativement constante. Et c'est une des façons de résoudre une part de la densification ou de la croissance de la population helvétique. On estime, au niveau national, qu'on pourrait loger à peu près 1 million de personnes dans les zones villa sans changer les règlements, parce qu'elles ont du potentiel. Parce que la plupart des gens qui ont une villa sur leur terrain n'ont pas exploité le 100% de la capacité constructible de leur terrain. C'est l'un des propos que je voulais amener en réponse à la tour. Et le deuxième propos, qui est évidemment, vous le connaissez sans doute, c'est les objectifs de la stratégie énergétique 2050. Vous voyez ici un graphique que j'ai piqué dans une présentation de l'État de Vaud. La courbe du bas, c'est la consommation énergétique, et la courbe du haut, c'est celle de la consommation énergétique, et celle du bas, électrique. Et on voit que les objectifs par rapport à la 2000 en 2050, c'est de diminuer de 54% la consommation d'énergie par habitant. Ça passe évidemment par la révision complète
de notre parc immobilier. Et quand on sait que jusque dans les années, mettons, 90, on n'isolait pratiquement pas les bâtiments, ou très très mal, il y a du boulot. Il y a du boulot pour tout le monde, quoi. Mais c'est probablement des opérations plus petites, plus fines. Mais il y a des chantiers, il y a un gros chantier de rénovation. Et c'est ce qui me fait penser que les métiers de la construction vont sans doute devoir se repositionner et s'intéresser à ces champs de ces futurs marchés, disons. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je voulais simplement vous présenter l'équipe avec laquelle je bosse. Ils sont 80 aujourd'hui. Ils sont à Chavannes-près-Renans. Et puis, sans eux, je ne ferais absolument rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Vitoli. Merci beaucoup. Restez là. Merci beaucoup, Guy Nicolier. Donc, très intéressante perspective. Je ne sais pas si c'est le propre des Nicoliers de nous faire voyager dans les hauteurs, mais en tout cas, Guy Nicolier nous a présenté des perspectives très intéressantes sur ce sujet des tours. Il a peut-être aussi déconstruit quelques fantasmes qu'on peut avoir dans le canton de Neuchâtel par rapport à cette construction hauteur. Mais quoique, puisqu'on a aussi, nous, des projets de nouvelles lignes ferroviaires avec peut-être des nouvelles gares, donc qui sait, la construction en hauteur n'est pas définitivement enterrée à Neuchâtel. Merci infiniment en tout cas, très intéressant. On a pas mal avancé dans l'heure, donc je pense qu'on a encore le temps pour quelques questions. On n'aura pas le temps pour énormément de questions, mais est-ce qu'on peut profiter de la présence de Guy pour lui en adresser une? Je me tourne vers le public. Ça ne semble pas être le cas. Alors, je pense que c'est l'heure qui avance. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une question pour nos autres orateurs de la soirée? Hervé Froidevaux, Pedro Palomo? Moi-même, peut-être, sur d'autres sujets. Il y en a une. Monsieur Torrent. Oui, merci de me donner la parole. J'aimerais profiter de la présence de toutes ces têtes bien pensantes, de juristes, d'autorités, d'architectes, pour relever un problème auquel on est confronté tous les jours. C'est la lenteur des procédures dans l'obtention des permis de construire. Et si vous lancez un projet à l'an zéro, vous pouvez espérer d'avoir fini votre construction à l'an 6, 7, 8, voire 9. Donc ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que ce que vous avez prévu à l'année zéro n'est plus du tout en conformité avec la demande du marché à l'échéance du projet. Alors, moi, je suggérerais deux choses ou trois choses. C'est que nos autorités fassent ce qu'elles avaient promis de faire, c'est-à-dire d'accélérer les procédures en matière d'obtention de permis de construire. C'est que nos juristes travaillent sur des textes qui, non pas empêchent, mais rendent... Ça marche plus ? Oui, ça marche. Il n'y a pas de censure. Les oppositions plus compliquées et peut-être de créer des obstacles. Et puis, enfin, que les architectes choisissent des projets qui soient adaptables. Puisque quand vous arrivez à la fin, ben peut-être vous devrez transformer des 5 pièces en 2 pièces et demie, etc. Et j'en passe. Et c'est quand on regarde les statistiques, on nous parle d'excédents d'habitation, mais il faut voir de quoi c'est constitué. Aujourd'hui, c'est surtout constitué de grands appartements plutôt que de petits appartements. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup pour ces remarques. Je crois qu'à une situation qui est effectivement relativement complexe s'ajoute le fait qu'on est dans cette phase de transition vers une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire qui certainement ne contribue pas à accélérer les procédures. On a la chance d'avoir ce soir parmi nous Laurent Favre. Alors, est-ce qu'il souhaite peut-être adresser une réponse rapide à cette interpellation ? On va tenter de vous la donner. Bonsoir. Bon, la question de la durée des procédures, le défi de la durée des procédures est posé depuis quelques années, et pour nous, c'est une réelle volonté de limiter, de réduire ces durées de livraison des permis de construire. Et notamment la LAT, la LCAT cotonale, qui vient d'être... votée par le Grand Conseil il y a un mois environ, va pleinement dans cette direction.
tous les nouveaux grands projets, plans de quartier, plans spéciaux, etc., etc., eh bien, nous avons prévu de pouvoir vous octroyer, si vous faites la démarche jusqu'au bout de demande de permis de construire, le permis de construire en même temps. Donc de gagner une étape, de faire deux en un, pour effectivement éviter les processus et les procédures en cascade. Parce qu'on constate malheureusement trop souvent aujourd'hui dans de nombreux projets, parce que la complexité des projets est toujours plus forte, qu'il y a des demandes de dérogation, mais il y a aussi et surtout beaucoup d'opposition. D'opposition au plan de quartier, d'opposition ensuite au permis de construire. Et tout ça, c'est des procédures à rallonge qui, effectivement, usent tout le monde, qui usent les promoteurs, qui usent les propriétaires, qui usent les maîtres de l'ouvrage et qui usent l'État aussi. Parce que nous, on n'a pas l'intérêt et pas le plaisir et pas le temps non plus de que ça dure trop longtemps, ces permis de construire et ces plans de quartier, ces plans spéciaux qui sont souvent des beaux projets. Dans le sens que vous évoquez, monsieur, dans la densification de notre territoire et pour donner plus d'attractivité à notre territoire dans son habitat. Donc ce souci-là, nous l'avons pleinement. Nous l'avons en partie pas réglé, mais quand même, on a bien avancé avec cette nouvelle loi cotonale qui permet, notamment pour ces projets-là, de faire deux en un, d'éliminer une procédure et de gagner probablement des mois, voire des années. Après, c'est clair qu'avec le système SATAC, l'informatisation du système, on a gagné aussi pas mal de temps. Il faut encore qu'on progresse, on est là-dessus. Il faut qu'on en ait aussi les ressources, parce que ça demande des personnes qui traitent des permis de construire. Je peux simplement vous rassurer, le souci que vous avez, nous l'avons également pleinement, et je pense qu'on va progresser réellement encore dans les mois et années à venir. Et puisque j'ai la parole... c'était avec intérêt que j'ai entendu cet exposé parce que ce que nous faisons dans le canton de Neuchâtel, c'est la possibilité de faire de la densification qualitative, bien sûr, sur les pôles de gare. Du côté de Neuchâtel, ça a été fait. À la Chaux-de-Fonds, vous savez qu'il y a du gros potentiel, il y a un gros potentiel. Il y a du potentiel aussi ailleurs dans le canton. Quand on parle de la gare de Saint-Aubin, par exemple, à Tivoli, à Serrières, ou à Cernier bientôt, et vous me voyez venir. On est en train de réussir du côté de Berne un cours relativement intéressant, ou même très intéressant, puisque, avec beaucoup de conviction, aujourd'hui, le projet de ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, au quart d'heure, eh bien, est en passe de gagner. Donc on va pouvoir investir très probablement dans les 15 prochaines années 1 milliard de francs qui rapprochera nos deux villes, nos régions, et donnera un dynamisme, je pense, beaucoup plus fort pour la construction, mais aussi, et c'est ce qu'on veut, aussi via la réforme fiscale, donner plus d'attractivité résidentielle à ce canton, parce qu'on peut parler de volume, on peut parler de construction, mais il faut des gens, il faut de la population, il faut des contribuables, il faut des bons contribuables. Dès lors, toutes nos réformes sont alignées, couvertes, je le dirais, pour réussir le rebond, un nouveau dynamisme pour le canton, pour sa population et bien sûr pour la branche de l'immobilier. Merci pour la question, j'en ai profité, je le sais. Merci. Je t'en prie. Merci, monsieur le conseiller d'État, pour ce plaidoyer. Mais on le salue parce qu'effectivement, nous tous ici, on a intérêt à ce que ce canton se développe et à ce qu'on retrouve ou qu'on trouve ce chemin de la croissance. Est-ce qu'il y aurait éventuellement quand même encore d'autres questions qui apparaîtrait après ce petit interlude? Ben, si ce n'est pas le cas, moi, je vous propose en tout cas de lire attentivement l'étude immobilière que vous trouverez évidemment en ligne, mais que vous trouverez aussi ici à la sortie. On a, nous, posé des questions dans cette étude. On a apporté des réponses. Monsieur Nicolier a également apporté ses réponses. Donc, toutes celles que vous n'avez pas posées ici, vous pourrez vous y référer dans l'étude. Ce que je vous propose, c'est de gentiment conclure, de conclure dans le sens inverse des salutations, c'est-à-dire de prendre congé d'abord des personnes, de celles et ceux qui nous ont suivis depuis la place du village, qu'ils soient ici remerciés. J'espère que ces présentations auraient été d'un grand intérêt pour elles. Remercier aussi les personnes qui nous ont suivis sur le web. Vous aussi, mesdames et messieurs, vous qui nous avez fait le plaisir de nous rendre visite ce soir. Vous remercier pour votre attention, remercier nos intervenants,
donc dans l'ordre inverse, Guy Nicollier, Pedro Palomo et Hervé Froidevaux. J'ai envie de vous dire que l'apéritif est servi, que le buffet est ouvert et je vous souhaite donc une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous interpeller, on est encore à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur.